accord 11 septembre d'ici 1er novembre. Un reportage, Massado Vilme, des pays Port-au-Prince. Nous bali jusqu'au 1er novembre pour le faire. Ultimatum, si là, c'est pour forcer Premier ministre Ariel Henry changer leadership institution policière et remaniement cabinet ministériel. Le gouvernement qui l'a lié échoué. Le gouvernement qui l'a, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement jovenéliste. Et ça fait secteur démocratique là, pas rentrer dans le gouvernement ça. Parce que nous t'ai dit, nous ne pouvons jamais rentrer dans le gouvernement si pas un accord politique. C'est le premier bagage nous dit. Pas de accord politique là où tu as fait le gouvernement ça. Gouvernement qui l'a, son gouvernement incapable. Mais gouvernement ça, secteur démocratique là, pas reconnaître. Parce que ministre ça yo, yo pas capable de résultat. Et ça fait nous dit Ariel Henry, non, non. Accord 11 septembre 2021, c'est pour changer le gouvernement ça. Nous baillons Ariel Henry jusqu'au 1er novembre pour retirer le gouvernement ça, pour le mettre le gouvernement consensus là, même Jean Noubali, jusqu'à 1er novembre pour faire changement dans la tête de la police. Léon Charles, pas capable de garantir la sécurité de la population. Hein? Léon Charles, pas capable de mettre les policiers et policières en confiance parce que Léon Charles, il fait tout le temps la diviser la police. Tout autant Léon Charles là, question sécurité là, et dans ma coute neglin, ben attendez ça. Voilà pourquoi il faut changer Léon Charles, il faut un autre directeur général à la tête de l'institution policière. Si M. Ariel pas satisfait exigence si à terre accord politique pour une bonne gouvernance apaisée et efficace, le secteur démocratique et populaire menacé pour manifester, pour demander application de documents si là. À partir du 18 novembre, on a un secteur démocratique et populaire, bon côté peuple là, pour manifester, pour demander application accord 11 septembre 2021. Parce que accord 11 septembre 2021, ce n'est pas pour Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un homme qui signe accord, mais accord pas pour lui. Accord, c'est pour le peuple là, parce que revendication peuple là accord. Nous devons rappeler, c'est plus de 160 organisations politiques et sociétés civiles dans la vie nationale pays qui signent un accord politique pour une bonne gouvernance apaisée et efficace Premier ministre Ariel Henry. Toutefois, chef primatier a montré volonté pour renouveler le personnel politique dans des démarches ni entreprendre pour mettre campé un nouveau conseil électoral provisoire. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Fondi Gampi, le secteur qui pas suspendre, critiquer secteur démocratique et populaire, est-ce que yo signé accord avec Premier ministre Ariel Henry? Fondi que gen plusieurs autres accords qui sous tapia et qui en désaccord d'après ça en pile monde, moun kap observé politique là dans le pays d'Haïti. Et puis l'autre point qui domine l'actualité, c'est suspendre sous question 17 missionnaires étrangers, et donc 16 Américains et un Canadien. Et bien, c'est suspense là cap continuer pendant que groupe 400 Marozo qui kidnappé missionnaire depuis samedi, et bien, ils ont demandé 17 millions de dollars, donc soit 1 million de dollars pour chaque missionnaire pour être capable de laguer. Il y a plusieurs réactions sur question ça, sur développement ça. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous, dans Port-au-Prince. Jusqu'à présent, groupe n'est armé 400 Marozo pour que j'aime libérer 16 Américains et Canadiens qui ont été kidnappés dans la zone Grandier, direction Est, Port-au-Prince, samedi 16 octobre 2021. Yon dirigeant organisation Douamoun, Pierre Espérance, qui c'est directeur exécutif réseau national Cap Devon Douamoun, RNDDH, mandé libération otage sans condition. Tout le monde qui en bas main gang, yon kidnappé, nous t'a remis qui yon libéré yon tout. Que ces missionnaires américains, que et tout l'autre monde, 400 Marozo, l'autre groupe qui n'a même monde cap kidnappé, yon kidnappé. Parce que kidnapping nan ki sa l'ba ou li traumatise moun yo. Li fè ou moun yo pa ka fonctionner, et l'autre problème qui vin gen tout, c'est que kidnapping nan sa pote de li vin traîner insécurité, li vin fè que pays a pas fonctionner, li vin ba ou instabilité ko gen. Ministre Justice et Sécurité publique, là, M. Liz Tankitel, qui te parlé sur un média international, fait qu'on est otage en pleine forme pendant qu'il dit qu'il travaille sérieusement avec la police haïtienne, avec FBI, pour jouer libération otage. Un leader politique en Haïti, Biro Odige, lancé appel pour demander libération otage pendant que lancé Pingatou compte pouvoir en place là pour pas décaisser l'argent dans la caisse l'État haïtien par rapport à Dimanche pour libération ça. 17 millions de dollars et gang 400 Marozo mandé pour libérer otage, c'est l'État haïtien pour bailler.
N'a dit Ariel, attention. N'a dit Boisvert, attention. N'a dit Kitel, attention. Pierre Espérance, bon côté parle, souhaité gagner un réveil national contre insécurité et kidnapping en Haïti. Toute et bataille qui est capable de mener pour faire nous vivre dans le monde, pour nous pas vivre dans, et à genoux, nous-mêmes nous appuyer parce que nous pas capable de blaguer le pays à des bandits. D'après un rapport bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, dans les 8 premiers mois qui sont passés là, nous avons kidnappé pour pipiti 328 personnes, environ 100 personnes pour l'année 2020, l'année passée. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Fon dit que gagnait en pile réaction tout qui tombait dans la société américaine, ni dans la société civile, ni au bon côté gouvernement. Par exemple, gagnait un missionnaire qui rencontrait avec famille américaine bandit kidnappé en Haïti. Ben, il fait connaître que il la prière pour victime avec ravisseur. Sandra Lemaire, gain détail. Na Christian Aid Ministry na ville Berlin eta Ohio, missionnaire Tertsa Rerek a visité famille missionnaire gang Katsama Ozokembe en Haïti. Li di mwen konnen ke moi-même ak frè ak sœur ki pale avèm malgré se yon bagay ki fè nou mal, ki fè nou kriye pou nou wè zanmi nou ou bien frè nou ak sœur nou ke nou remè an pil, ap soufri kounye a au point de vue physique, émotionnel, psychologique, nou rassure pou konnen nous commander grand maître là lever chai lousa pendant n'a la prière pour yo. Christian Aid Ministries dit dans groupe ravisseur kidnappé yo gain 7 femmes, 5 garçons ak 5 timoun parmi yo un timoun 2 ans. Organisation dit yo t'a visité yon orphelinat le yo t'a kidnappé yo. Ça m'a tellement dit ravisseur yo c'est que moi-même ak zanmim nous t'ai la prière pour yo hier soir et nous pardonné yo et nous gain l'amour dans cœur nous pour yo et nous la prière pour yo suspendre commettre mauvais actes et pour yo venir rendre hommage à bon Dieu plutôt et nous la prière pour bon Dieu pardonner yo pour mauvais actes yo commettre yo that they would receive forgiveness for the evil things they've done. Autorité américaine yo a travaillé à Haïti pour joindre victime yo. Katsan Maozo mande yon rançon $17 million pour libération yo. Porte-parole Maison Blanche la, Jen Psaki di États-Unis pas négocier ak bandi. Madame Psaki di politique nou pas changé. Mwen pa ka bay trop détails sou opération parce que c'est pas jam un bagay ki nan intérêt nou le n'a essayé libérer otage que bandi kembe pour rançon. Ça mwen ta remen souligner encore c'est que FBI fait partie d'un effort coordonné gouvernement américain a déployé pour assurer que citoyens li retournent la caillou sain et sauf. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique. Washington. Merci Sandra et l'autre autorité qui réagit sous question ça gain secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une tournée actuellement là dans la région Amérique du Sud là et commencé virer ça hier mardi dans le pays Équateur côté Libayon conférence pour la presse ensemble avec un collègue équatorien Maurice Montalvo. Yon nan journaliste te pose la question pour Mandel qui dernière nouvelle li kabay sous situation missionnaire américain gang kidnappé en Haïti yo mais qui j'allais répondre. With regard to the specific incident that you referred to the kidnapping of missionaries including 16 Americans. Pour ça concerné incident soulevé soit kidnapping un groupe missionnaire en Haïti parmi yo gagné 16 Américains. Nous-mêmes dans l'administration, nous pas suspendre, concentrer attention non sur ça. Parmi action nous prend yo, nous voyons une équipe département d'État en Haïti. Nous travaillons étroitement avec FBI, qui c'est leader dans l'affaire comme ça. Et puis nous restons en contact permanent avec l'autorité dans la police nationale d'Haïti, avec l'église côté missionnaire au Sotia et avec le gouvernement haïtien. Nous prenons faire tout ça nous capable pour nous aider à résoudre la situation.
Sous crise otage en Haïti, c'était secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait dans le pays Équateur mercredi 20 octobre là. Et ben, il fait un discours sous département d'État, sous sa département d'État relé, défi que démocratie dans la région a confronté. Après Équateur, M. Blinken pralé Colombie pour une rencontre avec dirigeants pays ça et avec chef diplomatie divers pays dans la région. Un reportage, Lionel Demarat. D'après sa département d'État dit, dans le discours que M. Blinken fait dans l'Équateur, il insistait sous la cité façon institution démocratique inclusive capable d'appliquer une politique économique qui encourage le développement pour tout le monde et protection environnement. Fin citation. En plus, question qui a un rapport avec démocratie et avec droit monde, Youn nan pigo dossier chef diplomatie américaine a soulevé pendant tournée en Amérique latine, non? C'est question migration. Et puis, pendant l'ap nan Bogota, capitale Colombie, li gen pou co-présider yon rencontre avec ministre affaires étrangères pays nan région, sous yon politique migratoire qui respecte dignité tout migrant. Nan journée mardi 19 octobre, là, pendant M. Blinken tap palak la presse, alors que collègue équatorien Mauricio Montalvo te bokotel, li déclaré question migration créé un défi pour tout moun nan hémisphère, y compris pour pays Équateur, côté plusieurs milliers de citoyens vénézuéliens al tablio pendant 2 ou 3 années passées. Secrétaire d'État dit n'a cité, ministre affaires étrangères Montalvo avec moi. Nous pralons en Colombie pour nous rencontrer avec pifo collègue nous yon dans l'hémisphère. Pour nous discuter sur un dossier qui est tellement nécessaire pour nous aborder aujourd'hui. Et ça m'a donné une approche régionale vraiment coordonnée côté nous partager responsabilité. Fin citation. Alors que M. Blinken a quitté Washington pour aller à l'Équateur, président pays Guillermo Lasso a décrété un état d'urgence 60 jours pour l'État capable de gagner un coucou rouge jam des criminels drogués. Deux autorités ont été en rencontre dans la journée mardi. Après tête à tête ça, secrétaire d'État Blinken fait connaître, M. Lasso bal garantit que l'Équateur pourra respecter les principes démocratiques. Tant que par exemple, l'AB gagne un gouvernement qui chita sous constitution pays. Chef diplomatie des États-Unis fait compliment tout pour campagne vaccination contre COVID-19 là que l'Équateur lancé sous toute étendue territoire national. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Gracias, señor presidente. It's wonderful to be here in Ecuador and a great pleasure, Mr. President. Merci Lionel Demarat, toujours sous La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. On va suivre un programme en langue créole haïtienne et à permettre depuis Washington DC. Nous voulons saluer tous les amis qui suivent nous sur toutes plateformes, notamment sur VOA Créole, qui ça c'est Facebook nous, VOA Nouvelle, qui c'est site web nous, et toutes les plateformes, et que c'est YouTube, que c'est Gration. Plusieurs milliers d'immigrants haïtiens pour plus fort, et bien il y a tant papier pour yon connaît si y a capabilité, si yon doit rester vivre dans le pays Mexique avec droit pour yon travail et vivre dans le pays ça. Donc, c'est yon attente que yon la donne. Nous allons retrouver Jean-Robert Philippe et qui lui même pral dit nous plus. Jean-Robert Philippe a suivi de très près de c'est ça. Jean-Robert Philippe, bonsoir et dit nous plus. Oui, nous saluons. Eh bien, nous disons que l'autorité mexicaine a gagné sous deux poids. Yon poids avec les immigrants, quantité des milliers d'immigrants qui étaient pris en route direction nord pour venir, bien sûr, pour venir aux États-Unis, mais qui bloquaient au Mexique. Et les immigrants, ça semblait voulu faire territoire mexicain, tourner territoire côté de l'héritage. Alors, pour ça, fait, d'abord, c'est ça, faire une demande d'asile pour capable nous permis pour travailler. Et certainement, non seulement travail, mais pour capable être dans le pays légalement. Donc, l'autorité mexicaine, au Kounia, à bois parce que les immigrants ont commencé à perdre patience avec l'autorité parce que demande normalement qui conduit environ 3 mois, je dis à l'incapable double et si c'est pas même plus. Donc c'est comme ça que journaliste et espagnol là, Célia Mendoza a été rencontré avec 3 Haïtiens parmi les immigrants. Immigrants haïtiens qui t'avaient vu soit au Chili ou bien au Brésil bloqué au Mexique, néanmoins, il a fait tentative pour entrer aux États-Unis. Immigrants Sayo déposé application devant commission mexicaine pour assistance réfugiée au Comar, à service immigration à Kespoa et à un document pour régulariser statut dans le pays. Journaliste service espagnol La Voix de l'Amérique, là, Célia Mendoza, a rencontré quelques parmi immigrants haïtiens Sayo dans Mexico City.
Ferdinand Mete est rentré au Mexique en 2021 après lui passer 5 ans à vivre au Chili. Mete dit qu'il était victime de kidnapping pendant l'arrivée au Mexique. Moi marré pendant 9 jours, même marré puis marré. Ça vient fait que moi senti chaque jour me lever, me senti ça bouleversé en pile. Mais regarde parce que je fais me payer un cob qui m'a pas gagné. C'est un cob famille qui mettait ensemble qui voyait $2,000 avant moi pour la gagner parce que si m'pas de bail, t'a pour moi. Evanson Paul, beaucoup de parle, c'est un autre haïtien journaliste, Célia Mendoza, qui a rencontré dans un moment. Evans France déclaré qu'il a gagné un mois depuis qu'il a déposé application devant la commission assistance pour réfugiés. Mais jusqu'à présent, il peut rejoindre une réponse. Je ne parle pas de traitement qui a banni ici. Parce que l'autre côté, il y a un service. De côté, il y a un service. Mais bon, ici, il n'y a pas de pièces ici. On dit après, il n'y a pas de jambes. Il y a un mois, il n'y a pas de jambes. Et pendant là moi plusieurs autres nations vénézuéliens et cubanos et gain guatémaltèques qui viennent là hondurénien je servi à todo à tout fait le nom même yo va veler ba nos papiers yo va veler dire rien ensemble avec nous yo dit rete tan après les noms pour Pierre Charlie même il pas gain plan pour aller aux États-Unis tant que plusieurs milliers l'autre tout ça il besoin c'est opportunité pour jeune permis pour capable travailler au Mexique. Oui moi je crois quand même gouvernement ça me besoin on connaît espoir du café mieuni pièce soin du café mieuni espoir ça me connaît gagner après ça m'a été problème encore ma prétendre joie pour gagner toute pièce que j'ai besoin. Situation toi immigrant ça yo Fedner et Vince à Pierre Charles pas différent de l'autre haïtien qui a demandé asile dans l'autre côté au Mexique même j'ai plusieurs autres citoyens qui sont dans leur pays à faire. Pour qu'on y a une nouvelle rapporté une caravane qui est là dans plusieurs milliers d'immigrants à Paris pour quitter Tapachula dans l'État de Chiapas pour venir aux États-Unis avec espoir à travers ses frontières. Une nouvelle qui bat l'administration américaine en pile inquiétude après vague immigrants qui étaient débarqués en bas pont international del Rio sous frontière Texas partagée avec Mexique. Mois passé, Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, avant d'aller, nous connaissons en contact avec Acuna. Dis-nous, est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, des nouvelles là, c'est que si tu as un Acuna, mais tu es tranquille, Acuna, parce que au moins, il y a une assurance que de temps en temps, il y a une visite autorité, aussi du service immigration, qui continue à venir, à prendre papier dans le meilleur, à prendre déclaration dans le meilleur, puis au cas où il est capable de préparer les documents. Et c'est très certainement, grâce à avec garantie, peut-être que magistrat et Corona Teba, il semble que Haïtien Acuna, il y a une pile chance de priorité au Mexique, à moins qu'on ne le batte à passer, mais il y a une chance de priorité dans un côté. Merci Jean-Robert Philippe et sous question immigration. Et puis d'après, tu es toujours dans le même domaine et nous parlons Bahamas, un pays qui déporté en pile haïtien en direction Haïti. N'a pas retrouvé journaliste Ronald Pierre. Bahamas, c'est un pays qui est placé dans l'océan Atlantique qui représentait un grand pont pour migrants qui voulaient rentrer dans le pays et pour traverser le, pour rentrer dans le pays les États-Unis, spécialement dans l'État Floride. Pour Bahamas, Haïti représentait une plus grande menace dans la région. Dans micro la voix de l'Amérique, un citoyen haïtien qui a vécu un bon moment dans le pays, qui c'est James Setamon, a expliqué qui cause afflux migrants à eux, qui risque vie sur la mer et impact qui fait à sous diaspora haïtienne dans les Bahamas. Les problèmes qui arrivent pour ça ont affecté nous personnellement, parce qu'en tant qu'haïtien, les des flux migratoires là, c'est bah, qui est très considérable pour nous. Parce que il y a un problème migration entre Haïti et quel autre pays à travers le monde parce que nous avons une crise en Haïti même que haïtiens pour qu'on veut mettre tête ensemble pour yo solutionner et les problèmes ça va passer comme ça il fait impact sur toute petite communauté qui vivent de par le monde. Monsieur Saint-Amour, ta fin connaît, c'est au lendemain pays Bahamas qui a un nouveau gouvernement, migrants sa yo a cherché rentrer par Boïsite ou bien aller aux États-Unis. Li explique nous, nouveau gouvernement sa a montré plus humaniste par rapport du traitement yo bay à migrants yo. Bon nouveau gouvernement qui est installé au niveau Bahamas, m'a pas dit m'a bravo pour yo ni féliciter yo, mais ou gen doit avoir méthode d'approche yo par rapport à gens yo
yo accueilli moun yo ou ka wè que il go paquet bagay humaniste bon côté gouvernement ça. Nous ta souhaité yo comprendre que c'est yo pas considéré haïtien en soi comme une menace. Nous ta souhaité yo prendre crise là tant qu'on crise humanitaire. N'a rappelé durant autorité bahaméenne te capturé groupe migrants sa yo selon déclaration quelques nan yo après yo déporté yo dans deuxième ville pays a ta déclaré yo ta recevoir des mauvais traitements et gen nan yo ta perdu la vie yo. Pour la Voix de l'Amérique depuis Nassau Bahamas, Ronald Pierre. Merci Ronald. Nous avons entré dans le pays d'Haïti, puis précisément dans le département Grandance qui était recevoir visite sous secrétaire général des Nations Unies qui gère question sûreté et sécurité, M. Gilles Michaud, qui fait une visite évaluation sous question sécurité. Plus de détails avec journaliste Mackinson Charles. Sous secrétaire général des Nations Unies qui gère question sûreté et sécurité, M. Gilles Michaud, fait une visite dans le département Grandance dans l'idée pour capable évaluer niveau sécurité qui gagne pour permettre projet de développement et fait sur le département Grandance après passage tremblementaire 14 août 2021. Pour moi, c'est Jalil Deminor. Je suis responsable pour tout ce qui est la sûreté et sécurité pour le personnel onusien au niveau mondial. Et ma visite est vraiment de prendre une meilleure appréciation de la situation sur le terrain ici, et également au niveau national. Et voir de quelle façon que nous, les Nations Unies, on peut mieux épauler les programmes humanitaires, les programmes de développement qui sont ici sur le terrain et assurer leur sécurité. Également voir au niveau de la mission des Nations Unies avec le futur et qu'est-ce qu'on a en réserve. Monsieur Michaud fait quoi? Nations Unies a travaillé dans tête collée avec la police nationale dans le pays d'Haïti pour capable définir quelques stratégies et puis bien gérer eux pour résoudre problème sécurité qui gagne en dans pays an, en même temps sécuriser personnel avec bureau ONI qui gagne dans le pays d'Haïti. Pour l'instant, c'est que vous savez qu'au niveau du mandat de l'ONI présentement est un support direct à la PNA. Donc ce support va continuer le temps qu'une évaluation du futur de l'ONI se manifeste. Faut signaler présence madame Hélène Naline, chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Qui te fait partie délégation ça. Mackinson Charles, depuis Jérémy pour la Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles, n'a prêté toujours dans la province pays d'Haïti et nous parlons dans la région Artibonite là. Côté coordinateur conseil administration dans 6 sections communales Kazakh, Machin de Saligno lancé appel by autorité pour yo payer yo 15 mois arriéré de salaire. Yo reportage Exalus Merjuna. Coordonnateur Kazakh Sayo qui sorti dans 6 sections communales Machin de Saligno dénoncer autorité yo dans pouvoir central qui semblait blier yo dans administration publique là et puis écarté yo dans presque toute activité qu'a fait dans pays a. Toute activité qu'a fait dans ville là yo exclu nous yo pas intégré nous là-dedans. Nous m'avez pas qu'on impliqué dans tout ça dans toute décision qu'a prend dans commune de Saline parce qu'on pas qu'a exclu nous comme élu comme Kazakh yo qui sorti dans silencio fait connaître yo gain plus passé 15 mois depuis yo pas recevoir un goud comme salaire. Il a demandé autorité puis replacer yo payer yo l'agent travail yo. Nous gain 15 mois depuis nous même Kazakh nous pas chambre toucher et puis yo pas payer loyer caille pour nous. Nous gon au fond 731,000 goud qui là depuis dit d'entend nous signer un contrat pour lui. Nous pas chambre joindre ni. Yo pas chambre ba nous yo fait patronal pendant cette temps son contrat lié chaque année. Li gain 50,000 goud à louer pour ça. Nous pas chambre joindre. Ti moun nous pas à l'école et puis nous même pour n'a travail et puis l'argent même à gaspiller dans pays là. C'est pour l'État prend responsabilité pour payer Kazakh dans tout coin pays là qu'a souffri. Paysan dans deuxième section pas à travail. Engrais a tellement cher et tant que moins Kazakh m'a recevoir doléance planté yo, moi pas à faire rien pour yo. S'il vous plaît ministre ou gon famille ou gen petit pou mettre l'école tout. Penché nan Kazakh yo. N'a fait remarquer réalité Kazakh section communale de Saligno pas différent ak situation Kazakh qui nan toute 571 section communale nan pays an qui pas jamais recevoir yon goud national depuis plus passé 15 mois. Exalus Mer Jeudna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena, nous soutenons pour province pays d'Haïti, nous prenons la diaspora côté ville Orlando à Paris pour recevoir yon go activité dans date 13 novembre prochain dans l'occasion businessman haïtien américain à rassembler pour discuter sous prospérité et opportunité. Yon reportage Yves Mon Premier depuis Saint-État Floride.
Échange américaine Business Expo, c'est donc une grosse activité qui campe chaque année, commencement mois novembre, dans la ville Orlando, centre État Floride. Sous initiative Radio Haïti Tropical, objectif mouvement ça, c'est développer d'abord entreprise, mais tout rassembler hommes d'affaires haïtiens américains dans la région. Madame Soraya Galimon-Jean-Pierre, c'est à la tête activité ça. C'est une activité que nous mettons sous pied pour la communauté, hein, qui vient pour nous. Haitian American Business Expo and Gathering Time. Objectif là, c'est pour nous connecter toute couche sociale, pour nous capables surtout partager culture par nous avec culture l'autre, et puis pour nous apprendre de l'autre. Et volume également, pour nous maximiser profit nous, surtout les hommes et les femmes d'affaires, côté que vous sortez ou allez prendre un petit temps, et en même temps, on va pas prendre. Ou à connecter avec hommes et femmes d'affaires yo, et en même temps ou à surtout sociabiliser yo, surtout avec communauté yo. Activité ça na date 13 novembre k'a beni là pour al konnen 7e édition ni nous demandé madame Jean-Pierre qui résultat première expérience yo te bay. Dernière année nous sot fè là malheureusement c'était Covid, nous te di moun yo rete la kay pour yo garder li, mais 2019 c'était une réussite parce que en pile moun te sorti, en pile moun te fait le déplacement, côté que nous te gagnon grand event et nous a arrangé nou année ça pour nous faire le plus grand que ça parce que n'a bon plus gros espace. N'a rappelé diverses autorités locales à répondre présent non seulement pour participer mais tout pour porter conseil et partager expérience. Yves, mon premier pour la Voix de l'Amérique, vu l'Orlando, dans l'État Floride. Merci Yves, mon premier. C'est pratiquement avec dernier correspondant ça que n'a pété fin dans le programme. N'a dit que et Américains ont continué à saluer mémoire ancien général Colin Powell, et pour un pile monde, c'est un grand homme, un gros général, et qui c'est le premier secrétaire d'État américain, ou bien, ça nous relève, la CAI, ministre Affaires étrangères américain, c'est lui comme premier noir qui était occupé, et pour ça, donc, il était gagné une carrière brillante, et Lionel Desmarat t'es parlé de ça, et si vous voulez tendre, vous capable de retourner encore, sous page noire, pour tendre des bons créoles, et nous connaît que, moi ça, c'est, moi côté, y a, n'a prendre hommage, bah, l'encre là, de temps en temps, n'a poussé, y'a une petite pièce sous l'encre là,